des rosiers blanches déposées sur les marches de l'église. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à la Tour du Pin, Isère, samedi 2 juin, pour rendre un dernier hommage à Maëlys, la fillette de 8 ans retrouvée morte après les aveux de Nordal Lelandais. Réunis autour du cercueil blanc de la fillette, les proches de la petite fille ont pu se recueillir, 9 mois après sa disparition lors d'un mariage. Les uns après les autres, les membres de la famille de la fillette se sont exprimés 9 mois que nos vies sont brisées, a d'abord lancé en larmes Jennifer Clayet-Marel, la mère de Maëlys. J'ai partagé 9 ans de bonheur à tes côtés. Ton absence laisse un grand vide en moi. Maëlys, je ne souffre plus maintenant, quand je regarde le ciel, je sais qu'une étoile veille sur nous. Point la mère de Maëlys. Le père de la fillette a ensuite pris la parole. Tu étais joyeuse, pleine de vie, a dit Joachim de Araújo. Il reste les beaux souvenirs. Il y a toujours ta place à la table familiale. Je me souviens quand on était en vacances au Portugal, tu voulais à tout prix que je te prenne des chaussures de foot pour la rentrée en septembre. J'aurais tout donné pour vivre ces moments-là avec toi. Point le père de Maëlys. Colline, la grande sœur de Maëlys, a enfin pris le micro. Je suis venu te dire au revoir en attendant le paradis. Avec toi, je me sentais bien, a-t-elle lancé, très dignement. J'ai beaucoup de chance de t'avoir eu pendant 9 ans de ma vie. Je voulais te dire je t'aime, un mot qui n'a jamais été dit entre nous. Ta sœur Colline qui t'aime de tout son cœur. Point la sœur de Maëlys. L'église Notre-Dame de l'Assomption ne comptant que 400 places pour la famille et les proches. La cérémonie publique, présidée par l'évêque de Grenoble, Mgr Guy de Kerimel, a été retransmise sur un écran géant placé sur le parvis. Les parents du caporal Arthur Noyer, que le Landais reconnaît aussi avoir tué, ont tenu à être présents, tout comme le père de la petite Fiona, assassinée en 2013 à l'âge de 5 ans. L'inhumation aura ensuite lieu dans l'intimité au cimetière de la Tour du Pin, village de 8000 habitants où la famille a des attaches familiales. Dans le centre-ville, les commerçants ont d'ailleurs disposé des ballons blancs, symbole de l'innocence, devant leur devanture. C'était comme un jeu vidéo. Face aux experts psychiatriques, Nordal Lelandais a affirmé qu'il était comme spectateur du meurtre de Maëlys.